Coucou tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve pour un nouveau jeu que j'avais pas encore commencé. J'avais fait le premier, le Life is Strange, que j'avais fini. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube parmi d'autres jeux. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien juste en dessous, de vous abonner à la chaîne et vous verrez tous les jeux que je fais. Donc le premier Life is Strange, vous l'avez sur la chaîne YouTube, ainsi que d'autres jeux. Des jeux de survie, des jeux d'horreur, des jeux de plateforme comme Portal Knight, qui est le successeur de Minecraft. Vous avez aussi du Sims 4, enfin vous avez énormément de jeux. Donc je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, de mettre un petit pouce en l'air, jeter un œil au jeu. Je fais des prologues en général pour expliquer. Et ensuite je passe aux épisodes, donc... Voilà, il y a des jeux de survie, il y a énormément de choses. Donc, à vous de voir. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous plaira ou si elle ne vous plaît pas, et de laisser vos commentaires. Concernant la chaîne Twitch, si vous voulez savoir quand c'est que je suis en live parce que je n'ai pas de jour fixe ni d'heure fixe, je vous invite à follow la chaîne. Comme ça, vous aurez une alerte et vous saurez quand c'est que je suis en live et quand c'est que je commence mes lives. Donc on va attaquer tout de suite Life is Strange Before the Storm. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait le Life is Strange 2 qui n'a plus rien à voir avec Chloé et tout ça. Là, on va être encore avec Chloé. Donc pour résumer un petit peu, le Life is Strange 1, je ne sais plus son nom, je l'ai avalé, c'est pas bien. C'est une étudiante qui revient après 5 ans dans son université, dans sa ville, où elle retrouve sa meilleure amie qui a énormément changé après le décès de son père, et elle s'aperçoit qu'elle a le pouvoir de remonter le temps et de changer les événements. Mais attention, quand on change les événements, effectivement, il y a des choses qui changent l'histoire. Donc en fonction des choix que l'on fait dans ce jeu, on aura tous des gameplays différents. Donc vous verrez 50 Life is Strange différents. Donc on va voir celui-ci, ce que ça donne. Donc c'est bien avant que Chloé rencontre donc sa meilleure amie. Et je pense que c'est avec la jeune fille qui disparaît dans le 1. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors... Ben alors, comment il fonctionne celui-ci? Ben, démarrer l'épisode. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai baissé le son, j'espère que ça ira. Que vous m'entendez bien. Sinon, on refera l'épisode, hein. On est habitué. Le jeu est en chargement. Life is Strange Before the Storm est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire. Toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Choisissez bien. C'est parti! Je vous laisse regarder la cinématique de départ. Que c'était encore Chloé qui faisait des siennes. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out here. Ah,
Ah, j'ai pas changé mes touches. Est-ce qu'on a la possibilité? Alors, paramètres. Voilà, modifier. Alors, j'aurais dû le faire avant. Je pensais que c'était... courir. Il veut pas celui-là. Donc on va faire C. Passer la cinématique. Objectif. Ouvrir le journal. Tab. On va changer en mode J. Interagir, on va rester, laisser comme ça. Voilà, quitter. Alors, passer la cinématique. Courir pour moi. Blablabla, pour courir. Passer la cinématique, espace, objectif, clic droit. Ouvrir le journal, J. Interagir, clic gauche, OK. Alors, on continue. No trespassing? No way. Approchez-vous de la barrière, maintenez le clic gauche appuyé et sautez sur... appuyez sur bad. No trespassing? No way. No trespassing? Ah. No way. Alors, paramètres. Interagir, courir, marcher. J'ai pas sauté. Qu'est-ce qu'ils appellent bad? No trespassing. Non, elle le regarde. Je fais ça. Approchez-vous de la barrière, maintenez appuyé sur bas pour la sauter. No trespassing. Non, elle regarde. No way. Oh. Qu'est-ce que c'est, bad? No trespassing? No way. Ça commence bien. Ah, c'est en bas. D'accord. Ah, elle fait toujours des doigts d'honneur. Ça n'a pas changé par rapport au premier. Holy shit! This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door.
That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. On va essayer d'aller parler aux deux gars là qui sont en train de se disputer apparemment. Those guys need to get a room. Or not. Damn. Mind your own business. This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Ça prouve que je l'ai pas fait avant, hein, parce que je fais des répétitions. Hein. Entrée dans la Syrie. Should probably avoid getting on that guy's shit list. Il va jamais vouloir me laisser rentrer. Sûrement que je fasse une diversion. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. This place has collected a lot of junk over the years. A second door inside? So close, and yet so far. This band shreds so hard. I gotta get in there. Alors, avec la moto. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Direct à lui, je vais me faire jeter quoi. I've got to figure out how to get past this guy. I've got to figure out how to get past this guy. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Comment ces énigmes?
où je suis passé. Là. Il est bloqué maintenant. Il y a une autre entrée là-bas apparemment. Some say the world will end in fire. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. I'd join a motorcycle gang, if I had any friends. Ça commence bien. Perfect place for me to work. Now, what to draw? Definitely, absolutely not a meth lab. Max, voilà, c'était Max, sa meilleure amie. Tu sais que j'ai plus ou moins arrêté d'aller en cours. Un peu comme toi, qui a plus ou moins arrêté de me parler. C'est drôle, hein, mais j'ai fini par avoir du mal à trouver un prétexte. Alors, j'ai juste pas essayé. J'y suis simplement pas allée. Et il n'y a pas eu de problème. Personne ne m'a rien dit. C'est dingue, non? C'est comme si j'étais devenue invincible tout d'un coup. Ça doit être l'avantage d'être la fille dont le père est mort. Personne ne sait quoi faire de moi, alors quand je reste à la maison, tout le monde pousse un grand soupir de soulagement. Donc c'est la page 3 sur 3, ça. Donc peut-être qu'il faut remonter. Précédente. Page 1 sur 3. Ah oui, voilà, c'était Max. Max, Max, Max. Alors, cher Max... Papa m'a donné ce papier à lettres un jour où je me plaignais parce que je voulais envoyer un mail. Mais Internet ne marchait pas et ce soir je me suis dit, tiens, pourquoi j'écrirais pas à Max? C'est drôle, je sais pas vraiment quoi dire parce qu'on s'est séparés depuis 3 mois maintenant. Et pourtant, j'ai appelé, j'ai envoyé des textos et... Mais c'est pas comme si j'étais triste ou vexée. Merde, il n'y a pas un moyen que j'envoie ça, hein? Chloé, la sans amie. Alors... Max, qui est dessiné, confie-moi tes pensées, avec une petite bulle. Ah, c'est tellement mieux, je peux écrire tout ce que je veux là-dedans, sans jamais m'inquiéter ou me demander si tu me répondras. Et peut-être qu'un jour, quand tu auras décidé de revenir et t'excuser pour m'avoir complètement abandonné, et que je t'aurai pardonné, je te le ferai lire et on en rigolera. Ou peut-être que je vais décider que la Max du journal est bien plus cool que la vraie Max. Et tu resteras là-dedans pour toujours, mon ancienne nouvelle meilleure amie par correspondance. On verra bien. Chloé, la maîtresse du journal. Le 20 avril 2010.
Alors, on a The Moustache Monster from... Je vois pas à côté. Don't Take the Ride. Max, t'es prête? Ma mère a suggéré de faire un road trip l'été prochain. Et moi, j'étais genre, ok, pourquoi pas. Et là, elle commence à dire que David y sera aussi. Oui, ce David, le sergent instructeur, à la main qui a fondu sur maman et qui restait comme un bouchon d'acné. David, ce monstre à moustache venu de la planète des cons. Ce putain de David de merde. Bref, j'ai poliment suggéré à ma mère qu'il était peut-être un peu tôt pour dire que David serait encore là d'ici l'été. Ou même qu'il serait encore en vie. Tout peut arriver après tout. Comme tu t'en doutes, ça s'est pas très bien passé. Mais franchement, si ce type est encore là dans 3 mois, c'est qu'elle a un sérieux manque d'amour propre. Et j'ai de projets sérieux d'immolation par le feu. Sortant d'ico, Jacket. Elle mérite tellement mieux, c'est tout ce que je voulais dire, mais elle veut pas m'écouter, genre c'est moi la connasse dans l'histoire. Chloé, la connasse. Elle est toujours aussi vulgaire que dans le premier épisode, elle a pas changé de ce côté-là. Donc David, en fait, on l'a déjà dans le premier Life is Strange, c'est le moustachu qui vit avec le petit ami de la maman Chloé, qui est soupçonné, qu'on soupçonne tous au début, voilà. Mais pour ça, faut avoir vu Life is Strange, et vous pouvez le voir si vous allez sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, mais je vois que Chloé ne change pas au niveau de sa vulgarité. Alors, on en était là. Tu sais que j'ai plus ou moins arrêté d'aller en cours, hein, un peu comme toi, qui a plus ou moins arrêté de me parler. C'est drôle, hein, mais j'ai fini par avoir du mal à trouver un prétexte, alors j'ai juste pas essayé. J'y suis simplement pas allée. Et il n'y a pas eu de problème, personne ne m'a rien dit. C'est dingue, hein. C'est comme si j'étais devenue invincible tout d'un coup. Ça doit être l'avantage d'être la fille dont le père est mort. Personne ne sait quoi faire de moi, alors quand je reste à la maison, tout le monde pousse un grand soupir de soulagement. Si seulement j'avais su ça plus tôt, pense à tout ce temps perdu en cours. PS, j'ai pensé à Pris de Blade Runner la dernière fois que je me suis touchée. Au départ, je pensais à Descartes et son regard de braise, et puis Pris a pris les devants comme ça. Enfin, je crois pas que ça ait un sens particulier. Je pense que je juste sa frange, en fait. Chloé, le mouton électrique. Ouais, un peu ardu, hein, Chloé, quand même. Hein. Ok. Alors ici, on a la photo, donc, de Chloé. Ça, c'est Max, hein, quand elle était plus jeune. Et ici, c'est William, le papa de Chloé, qui est décédé. Et ici, c'est David et Joyce, dont Joyce est la maman de Chloé. Et David est donc le nouvel petit ami de la mère de Chloé, qu'elle ne peut pas voir en peinture. Mais dans le premier épisode, on voit quand même qu'elle change un petit peu d'avis sur lui. Mais je vais pas vous spoiler si vous venez à le faire. Donc là, on a l'épisode 1, ici. On n'a rien déverrouillé. Alors, on n'a pas de texto, aucun texto, ni de Max. Franck, on croyait dans le 1 qu'il était, que c'était le bad boy et un dealer, mais en fait, il n'était pas si méchant que ça. Elliot, je me souviens pas. Et maman, ben, c'est la maman de Chloé. Voilà. Et Max, ben, il n'y a pas de texto pour l'instant. Ok, donc nous, on est toujours coincés. Alors, je pense qu'il doit falloir passer par, je sais pas par, ou alors avec les gars, ou alors en essayant cette porte, par diversion. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Should probably avoid getting on that guy's shit list. Il y a un truc avec cette moto ou I'd join a motorcycle gang if I had any friends. On doit pouvoir monter quelque part là. This place has collected a lot of junk over the years. Faut chercher. On est parti pour chercher.
Alors, si on explore un petit peu tout ça. Là, il y a le toit. Là, il y a une porte. Et on écoute. This band shreds so hard. I gotta get in there. A second door inside? So close, and yet so far. Et allez, on est bloqué. On n'a pas plutôt commencé qu'on est bloqué. Alors, est-ce qu'on peut pas... An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Est-ce qu'on pourrait pas passer par au-dessus? On a le videur. La cirouillée. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Peut-être en cassant une voiture. Ok, une alarme pour faire disparaître. Comment on dit? J'ai perdu le mot. Dispersion. Voilà. Je commence à me faire des nœuds avec ma souris. Peut-être en... Je peux pas. Il y a quoi qui me gêne là? Rien pourtant. Est-ce qu'on peut pas sauter là? Passer par là. Je peux pas aller là-bas aux eaux d'Agneux, non, 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 tout est vraiment centré là, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Que la regarder. Qu'est-ce qu'on a en option? Courir, marcher rapidement, ouais, d'accord. Objectif. Interagir, non, on n'a pas sauté. Je peux pas la faire tomber cette moto. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Nothing says badass like a nice floral print. Dialogue disponible. God, again? What do you want, kid?
choisir ta moto. Is that your bike over there? Yep. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. Vous avez lancé un défi insolence. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. En mode insolence, vous utilisez des arguments et des insultes pour pousser quelqu'un à faire ce que vous voulez, d'accord? Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Pour y parvenir, faites bien attention à ce que votre adversaire dit. Couchez. Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Look at my face. Do I look cute? Or do I look like I'm going to kick your ass? Okay, kid. I get it. You're tough. I am not a damn kid. Other things I'm not. Young lady, kiddo, chica, sweet cakes. A girl like you? I can't protect you in there. You mean a girl who doesn't take shit from a walking pair of biceps like you? That kind of girl? My boss will kill me if I let you in. Is your boss your mom? Follow up. Do you live in your boss's basement? You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. Gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Go on it. Yeah. Bien joué. On a réussi à rentrer. This is intense! Shit! Hey, Delia! Come! Cute dog. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash.
Excusez-moi, je me faisais une clope. Alors, Pitbull. What's her name? Delia. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Sober up, girl. You're missing the show. Don't mess with Damon. Thanks for the memo. That shirt is rad. $20, baby. $20? That's robbery. And don't call me baby. Fine. $20, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Releasing that brake would roll the car right out from under that tool. Do I want a Firewalk shirt that bad? I think I do. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Elle va toujours faire des conneries, hein? Oh, shit! No, 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 no! Come on! Thanks for playing, dick. Oh, yeah. Sweet, sweet victory. Sacré Chloé, elle en rate pas une, hein. Toujours à faire That's des like conneries. $200. Comme toutes les actions, ça aura des conséquences. Holy shit! I'm rich! Nothing sadder than a neglected bong. Sweet knife! Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Sketch Central. Cold beer, free for the taking. Cold beer, free for the taking. Ah ben, on voit qu'elle est habituée à déboucher les bouteilles de bière, hein. Drink more, feel less. Yes, please. Graffiti everywhere. I think they missed a spot. Hey.
Sit and spit. $300 dock workers laid off, their pensions canceled? God, Prescott's a real tool. La Fondation Prescott, encore eux, ils étaient déjà dans le 1 et ils avaient mis pas mal de bazar d'ailleurs dans le 1. Chers membres de l'association des dockers d'Arcadia Bay, sachant que les Prescott sont la famille la plus riche dans ce jeu, donc ils sont tout puissants sur Arcadia Bay. La Fondation Prescott ayant récemment acquis la Corporation Marine d'Arcadia Bay, suite à un règlement de faillite, a décidé de supprimer votre poste ainsi que ceux des 307 membres de votre syndicat. De plus, la Fondation va procéder à la liquidation de tous les avoirs de l'association, y compris le fonds de pension des dockers consenti en tant que remboursement de crédit. Veuillez noter que votre contrat de travail vous interdit de dévoiler les pratiques et manœuvres d'opération de la compagnie, ce qui inclut les détails de ce plan de licenciement. Bonne chance, sincère salutation. Shane Prescott, toujours le même, lui, il n'a pas changé. Hein. Ok. That's totally me in 5 beers. Ok, 3. Elle est déjà bourrée. Ok. Il y avait un truc. On l'a fait. Dans le journal, il y a eu un truc qui est apparu. Donc ça, on l'a vu. Ça. Ok. Il n'y a rien de nouveau dans les photos. On a une photo ici, on en a raté une là. Peut-être qu'on la déverrouillera après, je sais pas. Bon, retour. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Le couteau, on peut pas le piquer, hein. Non. On va essayer de rentrer côté bar. Ah, on n'a pas vu le panneau. Justice has been served. De serre. Faut vraiment tout éplucher, rien oublier, faire bien le tour de tout. Hein. Don't you judge me, spooky deerhead. I'm here for the band. Reminds me of the way I make important life choices. No thanks. I try to avoid hepatitis when I can. L'hépatite et l'overdose, tant qu'à faire. Frank Bowers? What is he doing here? Yo, Frank! Hey! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs, you're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? Ha, the internet. How else? Seriously? Fucking kids.
So, you come here a lot, or...? Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. Okay, so, you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the $175 you owe me. Toss in a dime bag and we'll call it square. Hey, what are you waiting for this kind of money here for? You really don't think before you act, do you? Nope. So where's my pot? No more loans. I'm not your fucking piggy bank. You're a good man, Frank. No. I'm not. Now beat it, Price. You're cramping my style. I'll see you later. Whatever. Okay. Bon, moi, elle a payé ses dettes. No thanks. I try to avoid hepatitis when I can. Poster. Classy. On le voit pas. D'accord. Bah, Chloé est un peu bi. Voilà. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. On a tout fait. On a fait le tour, je crois, là. Donc on va aller de l'autre côté. There are a lot of people here. Here we go. Fuck. Hey, you okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Yep. My bad, dude. You don't know who I am, do you? Nope. Don't care, either. Hey, let me know how that works out for you, bitch! All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Maybe I can get a better view of the action from up above. Nouveau dialogue disponible. Naviki. If I want to see the band, I'll have to find another way. Those guys are trouble. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Casser la gueule, je sens bien.
s'éclate en tout cas. Oh. You spilled my beer, bitch! You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butt hurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Hey, dickhead. Rachel? Come on! Hurry up! Let me go, Frank! Not gonna happen. Calm down. Come on, man! Walk away. Screw this! Bullshit. Get the fuck out of here! Alors, Rachel, qu'on voit là au premier plan avec Chloé, dans le premier Life is Strange, est la jeune fille qui avait disparu sur le campus. Donc, c'était Rachel. Et dans le premier Life is Strange, on avait des avis de recherche un petit peu partout. Et on ne l'a pas retrouvée. Voilà. Donc, je ne vous spoil pas si vous ne l'avez pas fait. Mais voilà, elle a disparu dans le Life is Strange 1. Elle a disparu. Donc là, on découvre l'amitié donc, de Chloé avec Rachel. Parce qu'on voit dans le premier, dans le Life is Strange, qu'elle était très très proche de Rachel. Mais bon, comme elle a disparu, on n'en sait pas trop. Et c'est avec Max qu'elles essayent de la retrouver. Voilà. Ça, c'est dans le 1. Vous avez les 5 épisodes ou 6 épisodes sur le sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez voir les autres épisodes si vous le souhaitez. On va continuer là. Ah, le lendemain d'une bonne cuite, hein, ça fait mal, hein. Mais bon, Chloé est une habituée. Au niveau des touches, des actions, c'est pas du tout pareil que le premier. C'est... Ouh, elle aime beaucoup Carrossia. Bon, Chloé n'était pas comme ça, hein. C'est depuis la mort de son père qu'elle est dans la drogue et à l'alcool et toutes les conneries possibles et inimaginables. Et Max a essayé de l'aider, mais je vous en dis pas plus pour savoir le Life is Strange. Alors, je pourrais passer la cinématique. Bon, si elle dure trop longtemps, je vais la passer. Mais ça nous permet de redécouvrir l'ambiance
et on retrouve la chambre de Chloé comme dans le Life is Strange 1. On va passer. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Daily rituals are important. Even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Alors, on a lu les pages 1, 2, 3, on en a page 4. Max, la loseuse. Ouais, t'as bien lu. Je t'ai traité de loseuse. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas vu Firework hier soir. Même Franck était là. C'est mon dealer. Maman, si tu lis ça, c'est mon dealer et tu n'es pas censé lire ça. Je crois que c'était la plus belle soirée de ma vie. J'ai suivi le chemin de fer jusqu'à la vieille série. Puis j'ai détruit verbalement la broutille de videur jusqu'à qu'il me fasse entrer. Firewalk, c'était ouf. Je savais pas qu'il faisait des teufs comme ça à Arcadia Bay. Fuck Seattle. Et j'ai ramené un beau cocard, un souvenir. C'était les galouches dont j'ai détruit les chances de procréer. Rien de bien méchant, donc. Ah ouais, et la meuf, la plus populaire du bahut, a volé à mon secours. Et toi, ta soirée, Max, la loseuse. Firewalk plus Chloé. Max. Alors, attends, autre chose, une page 5. Non, on revient à la page 1. Alors, voilà. Donc là, on a un personnage qui s'est rajouté. Donc c'est Frank qui est aussi dans le 1. Donc qui est le dealer de Chloé. Mais on se pose des questions sur lui depuis le 1. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu amoureux de Chloé? Il fait le dur, mais il n'est pas tant que ça. Dans le 1, il l'aide beaucoup. Enfin, vous verrez par vous-même. Donc là, on est toujours là. Ici, on n'a pas débloqué de photos. Donc, quitter. Alors. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Alors ici, c'est le papa de Chloé. Avant qu'il meure. Ici, c'est Chloé. Quand elle était enfant, et c'est Max quand elles étaient enfants, puisqu'elles ont grandi carrément ensemble, hein, puisque c'était des meilleures amies. Voilà, et donc le papa est mort dans un accident de voiture en allant chercher quelques courses que la maman lui a demandé, et il n'est jamais revenu. Et dans le 1, Max, avec ses pouvoirs de remonter le temps, a essayé de changer les choses. Ça n'a pas été plus ou moins dans le bon sens, mais je vous laisse toujours la possibilité de découvrir ça sur le Life is Strange. Sur ma chaîne YouTube, vous avez les 5 épisodes. Regardez-les, vous verrez. Et vous comprendrez un peu mieux celui-là. Chloé, wakey wakey, egg and bakey. Last night, seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Alors, on va regarder. I'd like to think my humor has improved with age. Tu pourrais être plus positive. On va l'améliorer. Better living through chemistry. Alors, qu'est-ce qu'elle a rajouté? MJ420. Ça me dit rien. Alors, ici, on a regardé. I'm perfectly capable of waking up without you, you know. Eventually. On va éteindre.
Wake and bake is part of a healthy breakfast. Alors, ici. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Académie Blackwell, Warren Graham, Chloe Price, Aiden Jones, Zachary Riggins, Trevor Yards, Logan Robinson, Alyssa Anderson, Justine Williams, Elliot, enfin c'est le nom des élèves qui sont sur la photo. Et on voit, on retrouve pas mal d'élèves qui sont dans le premier Life is Strange. Alyssa, Chloé, Warren, Elliot, Brooke, Victoria, la peste, Nathan Prescott, le fils des plus riches, Taylor et Rachel Amber, donc qui a disparu dans des conditions, on ne sait pas comment, dans le premier. Alors, ordinateur. One of these days, I'm actually going to use you to do my homework. Tu veux pas? Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Alors. Chère Miss Arcadia, est-ce que vous savez quelque chose à propos du concert de Firework? J'ai vérifié toutes les salles en ville, mais personne ne sait rien. Sergio 22. Pas toutes les salles en ville, clairement, dites fan. Je ne sais pas, mais je fais remonter la discussion. Rand. Bon, les gars, voilà les infos. C'est une soirée privée, pas privée. Genre, vous n'êtes pas invité? Non. Plutôt privée, genre, il vaut mieux rester à l'écart. Et je sais bien qu'en lisant ça, certains d'entre vous auront encore plus envie d'y aller. Alors, allez-y à vos risques et périls. Vous qui entrez ici, ôtez toutes vos espérances. Vous connaissez la série Miss Arcadia. Merci, Scourge. Oh merde, si vous y allez, ne regardez personne dans les yeux. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux, ne détournez pas le regard. Si vous détournez le regard, pourquoi vous commenceriez à m'écouter juste maintenant? Signé Rand. Haha, regardez mes yeux, ils ne sont pas de ce monde. Il était génial ce film, The Doctor. De quoi tu parles, Firewalk Forever, Not of This Earth, mais l'original The Doctor. Ah ok, c'est quoi la série, Firewalk Forever? C'est mignon, dites fan. Sujet précédent, les Prescott et les Illuminati. Sujet suivant, collecte des fonds pour le tremblement de terre en Haïti. Ok. Ensuite. Wait, what? Who? What photo? Alors. À Chloé Price, donc un mail. Sujet, Victoria Chase, la peste. A commenté une photo dans laquelle vous avez été identifié. Pour voir la photo, veuillez cliquer sur le lien suivant. Ouais, je peux pas. Retour. On va cliquer là, peut-être. Non, on peut pas. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Alors, Rachel, Firewalk, Trevor, trop jaloux, Victoria, trop belle, c'est qui ta copine? Enfin, c'est un réseau social, apparemment. Harmon, Debra, quelque chose, Bergen, je crois. Taylor, ça a l'air fun, bise. Dana, glam, tu casses tout. Trevor, c'est qui Debra Borgen? Harmon, sur la photo avec Rachel. Juliette, Arg, Rach, t'es tellement belle, je te hais, Xoxo. Donc, apparemment, il y a certains qui sont amis avec elle. Victoria, qui c'est Armand? Trevor, mec, c'est Chloé Price. Victoria, Taylor, je croyais que tu avais invité Rachel à ta soirée pyjama hier. Je me demandais où elle était. Steph, cassé. Victoria, oh non, j'ai pas dit ça comme ça. C'était trop fun. Alyssa, quelle conversation pleine d'intelligence. Donc, retour. Alors. Bon, on a maman qui nous a appelé quand même, faut y aller, on va regarder. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. That was so proud of me for winning that stupid science fair.
Elle se remet vraiment pas de la mort de son papa, hein. Bon, comme beaucoup à qui ça arrive. Donc là, on a fait le tour. Elle a dit qu'elle devait se changer avant de descendre. Fun fact. Shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Used to dream of riding a unicorn as a kid, but then all the unicorns died. No more unicorns, no more princesses, and no more fucking rainbows. Words of wisdom, don't fail me now. Everything's worth a shot. Adapt or die. What is it? Adapt or die. Alors, donc se changer, si ça n'a pas changé, c'est là-bas. Bon, on va d'abord regarder dans le tiroir. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Je les ai tous gardés. Il faut que tu effaces cette photo de moi en train de danser. Il n'y a que toi qui pouvais me faire ça. Joyeux de moi, Elliot. Ok. Alors. Rien oublié. Hein. Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. Pirate Power. Donc là, on a tout fait. Le poster, le skate. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Toujours avec ses doigts d'honneur, ça ne change pas, mais du tout. Nice one, Chloe. Mom's gonna love the new look. How do I want to express my teenage angst today? Comment je vais expliquer ma crise d'ado aujourd'hui? Habille-toi. Je vais faire quoi là? Ça correspond à rien chez moi. Ben alors. Alors, échappe. Paramètres. Paramètres du jeu. Aller vers l'arrière. Hein. Ouais.
Quand il marchait passer la cinématique, objectif, ouvrir le journal et interagir. Mais je ne sais pas. Si je fais échappe... non, c'est pas ça. Ah oh. Je vais me bloquer avec cette connerie. Très bien comme ça. Can't leave without my vitamins. I really should get going. Donc on a vraiment fait le tour. Ouais. Dans le placard il y a des trucs mais là non. Allez, on descend, on va aller voir maman et se faire engueuler. Shit, where's my phone? God, it's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with mom's. Okay, mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. How can mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Sounds like my phone is definitely nearby. All right, phone. ¿Dónde estás? There we go. Wonder how many calls I've missed. Comptes-tu rentrer à la maison au moins? Chloé, seras-tu rentrée pour ton couvre-feu? Il y aura des répercussions. Ah bah, ça promet. Elliot... Si on remonte page qu'en haut, on va rien capter. Simé, ouais, c'est dans l'ordre. Le contrôle d'Espagnol était horrible. J'aurais du cul si je passe. Aïe. Lo siento. Non, je crois que c'était OK. Cool. Tu fais quoi? Rien, j'ai des trucs à faire après. Oh, OK. T'as fini les devoirs de chimie? Non.
Meuf, c'est la troisième fois. Je sais déjà tout. Ok. Ok, ok. Bon. Alors, ici. Deux, on l'a lu. Trois, on l'a lu. Et quatre, on l'a lu. Il n'y a rien de neuf. Rien de neuf au niveau photo. Non plus. Il nous en manque, hein. Dommage. Et donc là. Alors. Ton shit est arrivé, génial, mais je suis à la dèche, désolé, tant pis pour toi. Et tu peux me le regarder un jour de plus, je peux. Je suis ta cliente préférée. Ah bon? Frank Tana, tu me dois toujours. Tu vas me faire buter. Oui, continue de parler de ça par texto. Tu deals sur ce portable. Bref, allez, c'est l'heure de Bédave. Je viens si tu as le cash. Argue une autre fois. Ok. Retour. Max. Alors. Trop désolé, j'ai pas été trop niveau email, c'est plus simple par texto. Yo, mais c'est Max. Comment ça va? T'es là? Gars, redésolé, j'étais hyper occupée. Seattle te plairait, je t'en dirai plus. Ouais, donc ça, c'est quand elle est partie sur Seattle. Et dans le premier Life is Strange, elle revient 5 ans après de Seattle pour faire revenir dans sa fac et retrouver Chloé. Voilà. Donc, si ça te plairait, je t'en dirai plus. Cool. Je ferai peut-être du stop. Et la hippie. Je suis désolée, on devrait décider d'une heure pour s'appeler. T'inquiète, laisse-moi vérifier mon agenda. Il est 19h à Arcadia Bay. Ça fait quoi 20h19 à Seattle. C'est fou, hein, peut-être ce week-end. Pas de soucis quand tu veux. Tiens-moi au jus. Yo, la reine des grillons. Quoi de neuf? Max. Et elle répond pas. Ouais, c'est vrai qu'elle l'a vachement planté, quoi. Qu'est-ce qu'on a lu? Tout ça, on a lu. Donc, on fait retour. Chloé, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah, yeah. Okay. I think I saw Mom's purse in her room. Mm-hmm. On va quand même regarder là. The preferred towel of Captain Bluebeard. Scourge of Arcadia Bay. Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Ça dit quoi? Couleur intense mais subtile, coloration capillaire, amanda soleillée, couvre durablement les cheveux blancs sans ammoniaque. Ouais, ça va aller cool de le lire. Retour. Mais bon. Faut tout lire dans ce jeu. Tout faire. Rien oublier. Là, on n'a rien. Là, il n'y a rien. Bon, on peut aller dans la chambre, donc. Qui est là. La maison n'a pas bougé, hein. Son sac. Breakfast. Hey. Ah, Mom! Bad enough that David comes here for dinner. Le secret caché des capotes de maman. La pauvre. Mom's finally making her bed again? I guess that's a good sign. I want Mom to be happy, but... not like this. Not like this. L'amour après un décès, un guide pour se pardonner et aller de l'avant. Ok. Mm.
Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Bon, alors le sac à maman. Chloe, breakfast. Et j'arrive. I hate that she hides all our old pictures of Dad. What's the matter, Mom? You don't want Dad to see your new boyfriend? You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Alors, le sac à main, il est là. Par contre, on a un collier à regarder ici. I made this for Mom when I was like 10 years old. If she wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. Ah, les cadeaux quand on est enfant. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine. If I'm ever stupid enough to get married. Grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait, Mom's selling her engagement ring? Alors, estimation, Arcadia Pond repartait avec du liquide, bague en diamant, quasi incolore, qualité B. Valeur 1200, valeur comptant 300, valeur à avoir en magasin 500, ceci est une estimation, offre non garantie. Dialogue. They should take that down to Mom. Oh, can you grab my cell phone too? No more dawdling. I need to talk to you. Yeah, that really makes me want to hurry. On a vu. Il n'y a rien d'autre. Non. Allez, on va affronter maman, je crois. On va se prendre un soufflon. Coming, Mom. On va se prendre un soufflon. Je le crains. Finally, you can put my purse on the dining table. You might still have time for breakfast if you hurry. Dining table, here I come. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. Mm-hmm. David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. Pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms.
We're already supporting one. Thanks. Support nos vétérans. On en supporte déjà en parlant du beau-père. Any letter from Blackwell is never good. Is mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Alors, manger un bout, c'est pas évident. Arriéré de paiement $500, frais de retard de paiement $50, somme à percevoir $550. Tout compte non régularisé 30 jours après l'émission de cet avis sera considéré comme non payé. Merci Académie Blackwell, le futur exige l'exigence. L'excellence, pardon. Poubelle. Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Forum de recrutement des recruteurs veulent vous rencontrer. Mercredi 21 avril, mairie d'Arcadia, aide à la rédaction de CV, orientation de carrière. Excusez-moi, je mange du pain. Et à chaque fois, j'ai l'eau qui... Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. I would have gotten this bad boy in my room. From when Max and I spilled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me. So, nobody's fault, really. Family Pic used to hang here. Wow. I can't actually remember which one. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Hard to believe I was an eighth grade science athlete. Did I peak in middle school? Made that for Mom in an art class when I was like 5. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait, those aren't Mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? Feeling trapped? Right there with you. Little dude's like, what the hell just happened? Shoot. I was hoping David could get a job on a container ship. To Japan. Why do I suddenly want to get some fireworks? This is Principal Ray Wells.
Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Haven't really felt like sitting down to eat since David started having dinner here. Chloe, I don't have all day. Would you get over here already? I should see what Mom wants before she strokes out. Joyce Price, aka Mom. She looks as beat as I feel. Hey, Mom. You wanted to talk? Chloe, what happened to you? It's no big deal. I walked into a door. You seem to be walking into a lot of doors lately. When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. Sorry. I hear you. I'll do better about replying. Thank you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Are you selling your engagement ring? Chloe, jewelry gets appraised for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe! You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah, an old-fashioned dickhole. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Ah. I used to think drugs were lame, too. I wish you wouldn't joke like that. Let's not fight. I made you breakfast. Ah. I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says, "What are you gonna eat?" I'll enjoy that, huh? Firewalk? Is that the band you mentioned last week? I'm still bummed you wouldn't let me go. Mm-hmm. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that— Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled? And I do know what pot smells like, you know. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Ever again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Maybe David should start paying rent. He spends the night often enough. How would you know? You're never here yourself. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Your boyfriend's an asshole! He's been good for me. Maybe he rubs you the wrong way because you've been rude. He's still breathing. That means I've been more than fair. David's had some hard times too, you know.
If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? You want me to pretend I'm okay with David? That everything's okay? I'm not. He's a chauvinistic piece of shit, frankly, Chloe, and... if your father could hear you. No, you're right. I'm sure Dad and the mustache would get along great. It's a big bed. There's room enough for all three of you. That's enough. All I'm asking for is a little respect. Why is that too much? I love you, Chloe. I miss you. Nobody could have replaced her father. I did the best I could. Mom. I don't know where I lost you. You didn't lose me. Right. David's waiting. He'll need the keys. They're in that ashtray you made me. Go be his problem now. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Okay, let's get animated. Guess David likes pot roast. Guess we're all about what David wants. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs in my mouth? It's not that I'm ungrateful. It's just that when your mom works in a diner, you're not always in the mood for diner-type food. Dad's old swear jar. We spent the last of his curses on bus fare and milk. I made that for my mom. L'air dégoûté, quoi. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. I better get going. On a pas regardé. Almost wish I could slip Mom cash. If I had any cash to slip. Il est où l'autre? Alors. Salut Chloé, c'est Steph Gingrich. Salut, j'ai ton DVD, tu peux passer le prendre avant les cours? Merci. Ok. What a piece of crap. Car, too. Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Chloe, is that a black eye? No. Insubordination. No wonder your mother's worried about you. Oh, that's sweet. When I was your age, I got into my share of scraps. But it's not responsible. You owe it to your mother to do better.
Tell me again what I owe my mother, dirtbag. Electrode insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites. Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. What is this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench and get this over with. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. Motivé. What's David doing, leaving stuff in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? By toolbox, did David mean this, or did he mean himself? Fifty-fifty chance I smash him in the face with this. 60-40. Maybe 90-10. Should fill this with gasoline just in case David's car ever catches on fire. Damn. The stereo used to be in Dad's workshop. I should hook it up in my room before garbage day gets it first. Dad's old camera. Do they even make film for these anymore? Uh-oh. Mom's been cleaning again. This was the photo Mom took down from the living room. Guess we don't have room for it and David's mustache. Do these have chapters on hotwiring your mom's boyfriend's car so you can drive it off a cliff? Asking for a friend. Dad's toolbox. He used to get so excited whenever anything sprung a leak or busted. David's lawnmower. Maybe Mom and I like our lawn the way it is. Ever think of that? A little more hustle wouldn't have killed you. See what's gunking up the works there? That's a sign of carbon deposits. No shit. You know, you could actually be good at this if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. All right. What the How you do anything is how you do everything. Now I need a shower. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. We've already got one, but thanks.
Ready to roll? Please don't want to talk. Please don't want to talk. I want to talk to you about something. Fuck. We don't have to like each other, but you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there's some things I want to be real clear about. Mm-hmm. Joyce, your mother, she's hurting, Chloe. Hurting for you. You've had it rough, no doubt about it. But all this staying out late, ignoring her command, drinking, drug use, it's making everything harder for her. You need to shape up, get your act together, and put someone else first for a damn change. Am I making myself clear? Is it crazy if part of what David's saying makes sense to me? Got it. Thanks. We should really get going. Glad we understand each other. Country music? Dad loved this song. I just called to tell you that I miss you, my old friend. Burning the midnight oil again. What a beautiful day. This isn't right. If Mom were here, she'd tell him to turn that junk off. Dad, turn it up. I know what a spark plug does, jerkwad. Picking up my lover from the grocery store. On va donc en rester là pour ce premier épisode de Life is Strange Before the Storm. On découvrira, je pense, très vite l'épisode 2. Je vais le basculer immédiatement sur la chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez voir aussi tous les autres jeux que je fais. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On va mettre une pause ici. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous me laissez vos commentaires, ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué. Ne me spoilez pas, ne me donnez pas les solutions, tout ça, je ne veux pas savoir. J'aime bien découvrir les jeux sans être spoil, à mon rythme. Et là, je suis prise dans le jeu, mais je n'ai pas envie d'aller trop vite, parce qu'il n'y a que 3 chapitres, contrairement au premier où il y en a 5. Donc, on va éviter de le finir trop vite. Voilà, donc on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 2 de Life is Strange Before the Storm. On verra ce qui va arriver à Chloé dans les épisodes prochains.
Donc sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Life is Strange Before the Storm épisode 2. Vous avez la chaîne Twitch que vous pouvez follow aussi, vous saurez comme ça quand c'est que je suis en live, ce que je présente. Et puis pour ça, il vous suffit de follow, vous aurez une alerte et vous saurez quand c'est que je suis en live. J'ai pas d'horaire fixe ni de jeu fixe. J'essaye de varier un petit peu. Évidemment, la chaîne YouTube si vous voulez voir les jeux que je fais. Je vous dis à très vite pour l'épisode 2 de Life is Strange Before the Storm. Sur ce, passez une bonne nuit et à très bientôt. Bye bye.